Euh, bon, je vous remercie d'être euh, tous présents ce soir à la première des deux séances communes que nous organisons, Voie publique et l'Espace Minders France. Après le festival 2023 sur l'intelligence artificielle, où on était un peu prémonitoire et précurseur sur tous les genres de progrès, le thème 2024 pour nous, c'est regard sur image. Euh, les images qui nous entourent, qui nous sollicitent, nous agressent nous envoie des messages parfois totalement opposés et même nous manipule complètement avec les fake news. En médecine, nous allons vous proposer deux conférences ce soir. Une sur la simulation cérébrale avec les docteurs Gina, Rico, Germano et diane lévy chavagna que je remercie encore une fois. Et celle de vendredi prochain à 18h30, ce qui s'appelle sur exposition aux écrans avec le professeur de Pétro-psychiatrie, le professeur Gikel, euh, Voie publique en dehors de Mendes-France, organise aussi une conférence euh, demain à la faculté de droit à Place Charles de Gaulle sur l'autocompassion avec les professeurs euh, Gilles euh, Jaafari et les docteurs euh, Béatrice bérangère et Pierre-Marie Leblanc. Euh, voilà pour le côté médical. Euh, je tiens évidemment à remercier euh, Marianne Igaulle et Christine Guitton qui nous hébergent encore cette année et qui permettent vraiment à voix publique d'avoir sur le plan médical euh, une voix qui porte plus. Je remercie le service de, de communication du CHU avec Julie Desbord qui nous fait le pire de l'aborie qui nous fait le plaisir d'être là et on l'a un petit peu embêté pendant tout, ce, tout ça, elle nous a aussi aidé pour l'exposition qui est au Cordelier euh, sur les ateliers cordage. Euh, donc en cette période difficile pour la santé où les politiques publiques sont parfois peu voire pas lisibles, sous notre même président, nous sommes à notre sixième ministre de la santé. Il me semble fondamental de promouvoir nos médecins, nos hôpitaux, nos chercheurs, nos instituts de recherche. Il faut montrer à la population que les praticiens sont présents, actifs, efficaces, que les chercheurs sont là, que la recherche avance. Ce travail d'information et de vulgarisation ne peut qu'aider et apporter espoir aux patients, à leurs familles à nos futurs médecins, infirmières, biologistes, souvent si cruellement désemparés. Notre sujet de ce soir illustre une thérapeutique si mal connue des patients, mais aussi si mal connue des médecins, je l'avoue vraiment, et elles ne vont pas me démentir. Et donc, je, sais pourquoi. je suis vraiment heureuse qu'elle nous présente ce sujet. Et évidemment, on va se poser la question pourquoi et comment stimuler nos 100 milliards de neurones reliés... Liés par des milliers, voire des dizaines de milliers de synapses, euh, pour arriver à nous soulager, à soulager nos souffrances. Eh bien, écoutez, je vais les laisser se présenter, ainsi que leur structure et lire ces dénichés. Merci encore à vous. Euh, bonsoir à tous. Donc, merci à, à Thierry euh, d'avoir euh, si bien. Euh présenter déjà cette, ce contexte de, de, de voie publique et cette, spécialement tout ce qui va concerner la, la conférence de ce soir. Euh, alors, donc, euh, nous sommes deux médecins et un psychiatre hein, de l'hôpital Henri Dabori. Moi, je suis le docteur Diane lévy chavagna Je suis euh, psychiatre depuis déjà quelques années, on va dire. Et euh, entre autres, euh, d'être psychiatre hospitalier, hein, donc euh, prendre en charge des patients. Hein, en souffrance psychique. Je m'intéresse depuis plus d'une trentaine d'années à l'électroconvulsivothérapie, ou sismothérapie, qui est donc une des techniques de stimulation cérébrale la plus ancienne. Donc voilà, donc je vais partager avec ma collègue cette présentation de ce soir et puis je vais la laisser se présenter. Merci encore pour l'invitation, pour, pour cette conférence pour ce soir, pour qu'on puisse vous parler de, des techniques de neurostimulation et de l'innovation qui est présente en psychiatrie. Moi, je suis Rina Rica Germano, donc je suis maître de conférence à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Poitiers. Je suis praticien hospitalier en psychiatrie, je travaille à l'unité de recherche clinique Pierre Deniker du Centre hospitalier Henri Laboury de Poitiers, euh, qui a été euh, mise en place, cette unité, par le professeur Nema Jafari. Et euh, mon activité de, la, de recherche, je l'amène à l'équipe CoClico cognition clinique et comportement au sein du CERCA, du CNRS à l'Université de Poitiers. Donc on va faire cette présentation à deux avec le docteur Lévy. Donc on va se partager la présentation pour vous parler de ces techniques de neurostimulation qu'on utilise d'une manière très courante dans notre activité quotidienne pour la prise en charge des patients. Donc la première question, c'est pourquoi s'intéresser aux techniques de neurostimulation en psychiatrie Pour une des premières raisons... Je vais y arriver... Faut juste appuyer sur le bon bouton. Voilà. Donc une des premières raisons, c'est que les pathologies psychiatriques sont des pathologies très fréquentes puisqu'elles touchent en moyenne un Français sur cinq, soit à peu près, selon l'OMS, 13 millions de Français. C'est des pathologies qui sont très variées. Euh, on va retrouver les plus fréquentes comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les troubles anxieux, mais aussi les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles addictifs, les troubles du neurodéveloppement. Des, euh, parmi ces pathologies, la dépression euh, est la plus fréquente et la plus répandue. Les données nous montrent qu'elles touchent en moyenne 15 à 20 de la population générale et c'est des chiffres qui datent d'avant le Covid puisque depuis le Covid, ces chiffres sont plus importants. On estime aujourd'hui la dépression à peu près à 20 voire 25 de la population générale. Ces pathologies psychiatriques ont aussi un impact économique, puisque ça constitue le premier poste de dépense du régime de l'assurance maladie par pathologie avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et donc, elles ont un coût économique et social qui est assez important et il est à peu près de 109 milliards d'euros par an. Donc, les pathologies psychiatriques sont des pathologies très fréquentes c'est des pathologies qui vont entraîner un impact social, professionnelle et familiale sur les personnes qui en souffrent et donc impacter d'une manière considérable leur qualité de vie. Euh, certaines de ces pathologies vont avoir une évolution chronique, donc la nécessité d'accompagner les patients euh, au, plusieurs années dans l'évolution de la maladie et elle constituent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème de santé publique. Heureusement, pour prendre en charge les patients, on dispose aujourd'hui de plein d'alternatives thérapeutiques. Parmi ces alternatives, on a les techniques psychothérapeutiques, dont les premières étaient la psychanalyse, mais ces techniques aussi évoluent considérablement avec plusieurs techniques qui ont vu le jour avec le temps, notamment les thérapies cognitives et comportementales, le MDR, l'hypnose et plein d'autres. Il y a aussi les aspects pharmacologiques avec les traitements qui sont apparus les premiers dans les années 50. Et ce, 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 ce spectre-là se développe aussi d'une manière assez continue avec l'apparition des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques, donc plein de classes pharmacologiques. Et puis chez certains patients, on va avoir souvent l'association de ces deux techniques pour euh, arriver à un meilleur résultat clinique. Donc malgré euh, ces options médicamenteuses assez variées, elles restent toutefois aujourd'hui insuffisantes. Pourquoi insuffisante Parce qu'on constate quand même que, quelle que soit la pathologie, 30% des patients vont résister au traitement et donc ne vont pas répondre d'une manière adéquate et suffisante au traitement qu'on va utiliser. Aussi, chez certains patients, on va avoir un problème de tolérance puisqu'ils vont développer des effets secondaires au traitement qu'on va mettre en place et donc ils ne vont pas pouvoir poursuivre la prise en charge de ces traitements d'une manière continue. Et l'autre problématique, c'est que ces médicaments sont parfois peu spécifiques sur certaines pathologies. On va par exemple utiliser les antidépresseurs pour prendre en charge les personnes qui souffrent de troubles anxieux. Donc on va utiliser des médicaments qui n'ont pas été destinés forcément à telle ou telle maladie et c'est des thérapeutiques qui sont non personnalisables. On va aujourd'hui utiliser le même médicament chez plein de personnes qui présentent le même trouble et on va pouvoir les adapter spécifiquement pour chaque individu en fonction de ses symptômes et de euh, la pathologie qu'il présente. Et donc le fait que les traitements dont on dispose aujourd'hui sont limités notamment du fait de la résistance de ces thérapeutiques à ceci, on rajoute quand même une évolution des connaissances en, euh, en psychiatrie et en, en, en recherche qui ont été quand même beaucoup développées dans les neurosciences sur les dernières années. Associé à cela, l'évolution technologique en termes d'informatique, de mathématiques et autres, on arrive à la possibilité de développer des nouvelles techniques thérapeutiques. Et c'est sur ces nouvelles techniques thérapeutiques qu'on va euh, vous parler aujourd'hui. Donc, dans ces nouvelles techniques thérapeutiques, on retrouve euh, les techniques de neurostimulation. Dans ces techniques-là, on va en avoir un arsenal quand même assez important euh, en psychiatrie. Donc, on va avoir euh, la première technique qui a été la plus anciennement utilisée, c'est l'électroconvulsivothérapie qui est ici. On a aussi la technique, euh, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive qui est là. La stimulation transcrânienne euh, à courant continu ou TDCS mais aussi d'autres techniques comme la stimulation euh, focale à ultrasons, la, la magnétique ségeur-thérapie, je ne sais pas comment ça se traduit, mais c'est la stimulation euh, euh, magnétique euh, électrique, la, 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 la traduction exacte. Il y a aussi des techniques plus invasives qui nécessitent une intervention chirurgicale, comme la stimulation du nerf vague et la stimulation cérébrale profonde, où ici, on va mettre une électrode au niveau du nerf vague et là, une électrode au niveau profond sur le plan cérébral. Alors dans ces techniques-là, on va avoir les trois premières, qui sont les ECT, la RTMS et la TDCS, qui sont des trois techniques qu'on va utiliser d'une manière très courante dans notre exercice clinique quotidien. Donc c'est des techniques qui ont été encadrées, qui s'utilisent d'une manière assez facile dans la prise en charge des patients au quotidien. Et les quatre autres techniques sont plutôt réservées à la recherche clinique de pointe et vont être proposées à des patients qui vont résister à plein d'options thérapeutiques. Et c'est pour cela qu'on va aller vers ces techniques-là, mais uniquement dans le cadre de la recherche clinique très spécifique. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois premières techniques qui sont les plus utilisées. Donc, c'est des techniques de neurostimulation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est des techniques de pointe qui sont quand même assez, qui ont été nourries des connaissances technologiques récentes. Cependant, comme on va, on va le voir ensemble, euh, ces techniques ne sont pas si récentes que ça, puisqu'ils ont une histoire très ancienne c'est une histoire qui a été chargée de controverses et qui a amené un peu leur développement euh, actuel leur usage et parfois leur mésusage euh, au niveau de, de l'histoire un début de leur utilisation qui pourrait remonter à l'antiquité hein, quand on voit les machines actuellement on a du mal à imaginer comment ça a été utilisé à l'antiquité mais vous allez le voir quand même euh, ça a été utilisé bien avant même euh, l'invention de, de, de la technologie actuelle et c'est des techniques qui ont un avenir qui est quand même très en construction, tant sur le plan de leur usage clinique, de comment les utiliser chez quel patient. Mais aussi euh, leur impact économique. Est-ce qu'on est dans des thérapeutiques efficaces Est-ce qu'on est dans des thérapeutiques efficientes qui vont amener à la fois un soulagement des patients et un impact économique euh, de leur utilisation Et l'autre questionnement qui est de plus en plus important autour de ces techniques-là, c'est l'encadrement éthique euh, et euh, leur utilisation par la suite. Donc tous ces éléments-là, on va les aborder à fur et à mesure en détaillant chaque technique. Donc c'est quoi les techniques de neurostimulation Comme je vous disais, on va vous parler ce soir que des trois techniques qui sont les plus couramment utilisées puisque c'est des techniques qu'on utilise au quotidien dans notre exercice professionnel et on va commencer par celle qui a été la plus ancienne finalement et qui est toujours utilisée, l'électroconvulsivothérapie. Donc ces trois techniques, elles ont un point commun. Et le point commun, c'est l'utilisation de l'électricité. Dans ces trois techniques, on va utiliser l'électricité à visée thérapeutique. Donc c'est ce qui va vraiment partager ces trois techniques ensemble. L'utilisation de l'électricité en médecine ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais quand même, elle trouvent leur source dans l'Antiquité, puisque l'utilisation de l'électricité, elle date déjà de l'Antiquité. De l'Antiquité, on avait compris que l'électricité avait un rôle thérapeutique et pouvait soigner les patients. Ils n'avaient pas l'électricité qu'on avait aujourd'hui, bien sûr, nous, des développements techniques. Donc à l'époque, les Grecs et les Égyptiens utilisaient des poissons comme les torpilles ou les anguilles qui avaient en fait la possibilité d'induire ou de conduire un courant électrique et ils plaçaient ces poissons-là sur les zones douloureuses pour pouvoir soulager les patients. Donc déjà, il y avait cette... à l'époque en fait cette idée que l'électricité pouvait soigner. Et ça s'est vu aussi au fil des siècles, puisqu'on a continué à utiliser l'électricité à but thérapeutique. On le voit dans le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu euh, des expériences avec l'électricité statique, et il y avait les premières machines électriques qui ont été commencées à avoir le jour, avec notamment les bouteilles de LED euh, qui servaient de condensateurs, on stockait de l'électricité dedans, et on pouvait appliquer cette électricité après euh, pour, euh, sur le corps humain. Ça s'est euh, énormément développé à partir du XIXe siècle, où là, quand même, l'utilisation de l'électricité dans la thérapeutique et plus spécifiquement en psychiatrie euh, a vu le jour, avec notamment la découverte de principes de l'électrophysiologie, donc l'électroencéphalographie et l'électromyographie, le fonctionnement des nerfs et l'exploration de l'électricité au niveau de différentes affections qui pouvaient atteindre l'individu. Donc, c'était le, le, le physicien italien Luigi Galvani qui a le plus travaillé sur cette idée-là à ce moment-là et qui a permis de comprendre l'électricité animale et le principe de contraction musculaire quand on euh, induisait de l'électricité au niveau d'un nerf. Et c'est l'expérience qu'il avait fait chez la grenouille en stimulant au niveau de la moelle, on arrivait à avoir une contraction au niveau des cuisses de la grenouille. Ensuite, Faraday a repris le principe de l'électrothérapie avec la, la, la théorie de Faraday et l'effet de l'électricité sur le système nerveux, et qu'il a suggéré en fait que ça pourrait être utilisé pour soigner, traiter certaines conditions. Et donc, Faraday a mis en place la base de l'électrothérapie et l'utilisation du courant électrique à des fins médicales. Ensuite, Giovanni Aldini, qui est le neveu de, de, de Luigi Galvani, c'était un peu une histoire de famille aussi, électricité, euh, c'était le premier à dire bah, pourquoi ne pas utiliser cette électricité pour soigner les personnes qui souffrent de euh, troubles psychiatriques. Et comme on le voit à l'illustration en bas, ça a été tenté dans les, dans les hospices à l'époque pour pouvoir euh, soigner les patients. Et un des premiers patients était un patient qui souffrait de schizophrénie. Et l'histoire s'est poursuivie euh, par la suite avec l'arrivée de l'électroconvissivothérapie. Et c'est le docteur Diane levy qui va en parler. Merci beaucoup, Rina. Donc, euh, en effet, comme euh, disait ma, ma collègue, bon, les, les Italiens hein, semblent avoir un don euh, pour l'art, mais aussi pour l'électricité et pour toutes les recherches médicales qui vont avec. Puisque finalement, euh, les ECT ou électrochocs, hein, comme euh, ça s'était nommé à l'époque, ont été donc, euh, découverts en 1938 euh, par Chobin et Hugo Cerletti. Euh, sachant que Hugo Cerletti avait déjà 56 ans, donc vous voyez on voyait qu'on peut faire de la recherche et des découvertes à tout âge, hein, ça c'est très important, et que c'était une période assez sombre quand même au niveau politique, et où il y avait très peu d'argent pour la médecine, pour la recherche et pour tout, et l'électricité, ça ne coûtait pas cher. Donc ça c'est important aussi à dire. Donc euh, après un certain nombre... Euh, D'essais faits sur des, des, des animaux, des, des chiens, puis après des, des, des porcs. Ils ont pu donc mettre en place cette technique et c'était vraiment une révolution dans le domaine de la, de la psychiatrie, puisqu'il faut bien dire qu'avant il n'y avait rien, aucun traitement, quel qu'il soit, n'existait. Et donc euh, ils ont décidé un jour qu'un patient allait être traité. Et ce patient-là, qui était un patient de 1000 de, de ans, hein, qui a été trouvée dans, dans la rue, arrive dans, dans la, dans la clinique de Charletti. Et, et cette personne-là a été suivie toute sa vie, d'ailleurs, par Charletti, qui a gardé avec lui là, des liens. Il a bon, réussi à le soigner correctement. Donc, vous voyez, hein, donc on avait beaucoup de blouses blanches autour du patient, puisque en effet, à l'époque, hein, cette technique de stimulation était faite de manière assez directe, on va dire, hein, pas du tout comme aujourd'hui, où on a des techniques d'anesthésie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électrochoc ou sismothérapie ou aujourd'hui électroconvulsivothérapie Donc l'idée, c'est une... que les impulsions électriques, euh, donc induites par stimulation externe au niveau du cerveau, peuvent provoquer ce qu'on appelle des crises d'épilepsie, des crises convulsives. Et d'ailleurs, à l'époque, à l'époque de Charletti, il y avait une opposition entre la schizophrénie et l'épilepsie. Et donc à partir de là, le fait de générer des crises d'épilepsie était censé pouvoir soigner ces maladies-là. Euh... Bien évidemment, ces techniques ont évolué au fur et à mesure du temps, puisque bon, elles, sont... elles ont été euh... à un moment un petit peu trop utilisées sans aucune réglementation. C'est pour ça que... Ma collègue parlait de l'éthique, de la réglementation, elle est très importante dans ces thérapeutiques et euh, depuis les années on va dire maintenant quand même 50, 60 et aujourd'hui de manière totale, on a réellement donc une législation très claire là-dessus. On ne peut pas administrer ce traitement à une personne non consentante. C'est absolument indispensable, c'est très très réglementé. Alors, il y a eu donc un essor très important. Après, un déclin de l'utilisation. Pourquoi Parce que dans les années 50, comme disait ma collègue, on a l'apparition des médicaments, des neuroleptiques, des antidépresseurs. Neuroleptique. On va te faire un petit clin d'œil à Henri Laborie quand même, hein, qui, qui a été un des, un des pionniers de, de, la, de la découverte des neuroleptiques. Euh, donc ces traitements sont apparus et, et bien évidemment ont été utilisés au bénéfice du patient. Hein, C'est ainsi petit à petit que les, les hôpitaux se sont ouverts, euh, les, voilà, les, les gens ont pu sortir parce qu'ils étaient soignés, etc. Les psychothérapies, bien sûr. Et comme toute découverte, il y a eu des abus. Hein, donc il y a eu des abus, comme je l'ai dit. Il y a eu l'antipsychiatrie hein, dans les années 68-70, qui s'est trouvée dans une opposition totale à tout ce qui pouvait correspondre à à des traitements qui pouvaient être considérés comme abusifs. Alors après, comme disait ma collègue, il y a quand même des problèmes, c'est qu'il y a problème de résistance au traitement. Donc là, dans les années 70, on s'est repenché un peu dessus. Il y a eu beaucoup plus d'études qui ont été faites sur la technique d'électroconvulsivothérapie. Les anesthésistes sont venus travailler avec nous puisque ce sont des techniques qui nécessitent une anesthésie et une curarisation. Donc on ne fait jamais aujourd'hui de sismothérapie sans avoir un environnement avec un anesthésiste et tout ce qui va avec donc là la curarisation permet la relaxation musculaire et l'anesthésie est faite juste avant donc c'est à peu près quelques secondes on va dire de stimulation quelques minutes d'anesthésie et de curarisation en milieu bien sûr médical et on répète les séances hein, puisque par définition c'est pas une séance qui va vous soigner, on est clair. Hein Donc, le principe de toutes ces techniques, c'est le principe de répétition, hein, pour que le cerveau, petit à petit, puisse se, se, être stimulé et se, se modifier. Il y a eu des recommandations. Les premières venaient des USA, hein, dans les années 90. En traversant l'Atlantique, on arrive en 97 avec les, les recommandations de l'ANAS, qui sont toujours valables aujourd'hui. Et donc, euh, bon, il y a eu un regain d'utilisation. Euh, et encore aujourd'hui, et ça, on vous en reparlera après, ça reste une technique extrêmement importante pour les personnes résistantes, les personnes qui sont vraiment extrêmement malades et qui ne pourraient, euh, enfin, qui, qui ne pourraient pas être guéries hein, si on n'avait pas cette technique-là. Donc, les hôpitaux, les cliniques hein, en, en psychiatrie euh, utilisent euh, cette technologie. Alors, comment ça se passe Donc, ça, c'est une personne qui est donc... Endormie et curarisé. Les électrodes de stimulation sont sur les deux côtés. On actionne un bouton et la personne va donc avoir une crise convulsive qui est très légère et cliniquement non visible du fait de la bonne préparation anesthésique. Par contre, on enregistre le, le tracé électroencéphalogramme. Donc, il y a l'anesthésie, il y a la curarisation. Et pourquoi ça marche Ça, c'est très important. Il y a une augmentation des connexions entre les neurones hein, au niveau des, des synapses. Il y a aussi euh, donc une augmentation de la neuroplasticité. Moi, j'aime bien dire à mes patients, ça vous fait pousser les neurones, parce qu'ils ont tellement peur que ça leur grille le cerveau, que quand on leur dit ça, souvent, c'est un petit peu brutal, mais enfin, ça les aide un petit peu. Et c'est vrai, en plus. Hein. Euh, donc, petit à petit, euh, il va y avoir donc, de nouveaux réseaux de connexion qui se créent, les neuromédiateurs qui vont refonctionner normalement. Donc, on revient à la biologie finalement, quand même aussi. Hein. Et euh, tout ça, il y a beaucoup d'études qui expliquent ce qu'on ne savait pas expliquer euh, au début de l'apparition de cette technique. Alors, la recette, ça c'est très important d'avoir une recette, d'avoir une, une alchimie, d'avoir une chimie de quelque chose. Donc, finalement, c'est très simple. Euh, la machine est là. Donc, c'est une machine, ça ne vous dit rien, mais enfin, c'est la, la machine. C'est une des deux machines qui existent. C'est celle que nous avons à l'hôpital, euh, la Spectrum 5000Q. Euh, la stimulation électrique à courant pulsé. Alors, c'est important parce que les machines qu'on avait avant n'étaient pas des machines à courant pulsé. Les Français hein, ont quand même créé des machines. Hein. Il voilà, y avait. Il y en avait deux qui étaient très, très connus, qu'on doit encore avoir dans le musée du CHL, hein, qu'on garde précieusement. Mais il n'y avait pas le courant pulsé, c'est-à-dire qu'il y avait un champ électrique très large qui était délivré au cerveau, trop large. Hein, et donc avec des effets secondaires, en particulier sur la mémoire, trop importants et invalidants pour les patients. Là, c'est beaucoup diminué grâce au courant pulsé. Il y a des convulsions qui sont souvent infracliniques aujourd'hui grâce à la préparation, mais l'enregistrement les voit. Et le rythme, quand vous êtes en début de traitement, vous avez deux séances par semaine. Ça peut demander d'être hospitalisé quand votre cas nécessite que vous restiez à l'hôpital, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Ça peut se faire éventuellement en hôpital de jour également, à partir du moment où on a les possibilités. Et donc voilà, vous recevez 10, 12, 14, 16 séances à ce rythme-là. Et après, on diminue, on diminue la répétition jusqu'à ce que vous soyez stabilisé. Donc ça peut aller assez vite. Les indications, elles sont essentiellement autour de la dépression, une maladie très fréquente, où il y a une résistance aussi, avec des cas par exemple de dépression mélancolique, avec un risque suicidaire important, avec des personnes qui peuvent délirer, qui sont convaincues qu'elles sont totalement incurables. Les schizophrénies dans la forme de schizophrénie résistante, c'est aussi important parce que même dans la schizophrénie, on a des médicaments, mais il y a des patients qui ne réagissent plus aux médicaments. Donc il faut associer. Et la catatonie, ça c'est une forme transnosographique, c'est vraiment une forme de pathologie où les gens ne peuvent plus du tout bouger, ils ne mangent plus, ils bougent plus. Bon, Si on ne fait rien, ils finissent par mourir. Donc là, ça marche assez bien aussi. Donc, malgré tout, on ne peut pas se cacher. Euh, quand on vous dit électrochoc, ça peut vous faire peur quand même. Hein voilà. Bon. Donc, euh, voilà. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, quand on explique aux patients, quand on explique aux familles, parce qu'on a un gros travail, bien sûr, auprès d'informations, de formations, formation, etc., globalement, les gens euh, acceptent assez facilement d'être traités. Hein, Ce n'est pas très compliqué. Mais on va dire qu'il y a encore des croyances euh, bon, anciennes. On va dire que les films ne nous ont pas toujours aidés dans le passé à améliorer euh, euh, tout ça. Euh, voilà, ça on va rien citer, mais enfin vous, vous pouvez imaginer. Euh, bon, on va falloir ensuite de d'Anne de coucou hein, pour les vieux, parce que les jeunes peut-être connaissent même pas ces films-là. Bon, c'était quand même pas au top niveau, quoi. Hein. Euh, c'est pas une punition, hein. c'est un traitement vraiment très important, très efficace. Mais bon, il faut que la stigmatisation en psychiatrie, on la connaît, dans les traitements on les connaît aussi, donc. On... Des soirées comme aujourd'hui, ça va aussi pour déstigmatiser et permettre de, de rendre cette technique, finalement, comme une simple technique de, de soins. L'usage est très réglementé c'est l'usage le plus réglementé en psychiatrie. Hein. Ça, là-dessus, on ne peut pas faire des trucs clandestinement dans au fond d'un couloir de l'hôpital hein. ce n'est pas possible. Hein. C'est très, très, très réglementé la plus réglementée de toutes les techniques en psychiatrie. Donc là-dessus, c'est toujours organisé pour que ça fonctionne. Enfin, aujourd'hui, il y a eu des abus, on l'a dit aussi, mais maintenant, ça c'est terminé. Alors, la recherche est absolument indispensable. Aujourd'hui, on, on essaie de mieux comprendre. On a encore beaucoup de choses à comprendre. Et on a, à Poitiers, euh, eu euh, avec l'ARS euh, une, une création d'un observatoire national qui est porté par l'unité de recherche clinique que je, que je coordonne avec le professeur Jaffari. Et donc là, aujourd'hui, on a... Le but, c'est d'arriver à comprendre tout ce qui se passe en France, dans tous les centres qui font des ECT. Donc, chaque année, on intègre de nouveaux centres. Là, on a dépassé une trentaine de centres, on doit être à plus de 1000 séances. Donc, l'idée, c'est de faire de la recherche, de comprendre ce qui se passe, parce qu'il faut bien vous dire qu'on ne savait pas exactement en détail où ça se faisait, dans quel département il y en avait, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est en clinique Comment je dois faire Je ne vais pas bien. Je suis résistant, je ne sais pas comment faire, comment je peux avoir des techniques de neurostimulation. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir aider, hein, bien sûr, en connaissant exactement ce qui se passe sur le territoire. Ah ben, on va laisser la parole à Rina. Merci Diane. Donc là, on, Diane vous a parlé de, la, de la, la plus ancienne finalement technique de neurostimulation qui a été euh, utilisée, euh, et moi je vais vous décrire les deux autres techniques de neurostimulation qui sont d'utilisation beaucoup plus récente en psychiatrie, mais leur histoire elle est quand même limite aussi ancienne, voire plus ancienne que, que les ECT. Donc ces deux techniques, c'est la stimulation magnétique transcrânienne répétitive ou rTMS et les stimulations transcrânienne directe euh, courante. En continu ou TDCS. Donc, la RTMS, c'est quoi C'est une technique euh, qui est à la fois euh, appelée de neurostimulation, mais aussi de neuromodulation. Euh, non invasif, donc c'est une technique qui ne va pas nécessiter une anesthésie contrairement à l'électroconvulsivothérapie, euh, ni besoin d'endormir le patient. Donc le patient, il est réveillé, il est assis dans, dans, dans un fauteuil. Euh, et dans cette technique-là, on va avoir un courant électrique de haute intensité qui va traverser une bobine. Donc la bobine, elle est représentée en haut à gauche. Donc ce courant électrique, et, et la bobine, elle est constituée de fils de cuivre. Hein, il y a plein de fils de cuivre qui sont enroulés à l'intérieur de cette bobine. Le courant électrique euh, va générer un champ magnétique qui sera perpendiculaire au plan de la bobine. Donc la bobine ici et le champ magnétique, il sera perpendiculaire au plan de la bobine. Et euh, il va être transformé après en champ électrique au niveau euh, du cerveau. Euh, et ça va induire en fait une modification de l'excitabilité au niveau du cortex avec une dépolarisation des neurones corticaux, ce qui va induire l'effet thérapeutique recherché euh, à la fin. Et donc dans cette technique-là, on va avoir la possibilité de modifier la fréquence de stimulation et en modifiant la fréquence de stimulation, on va modifier l'effet escompté au niveau du cerveau avec une stimulation à haute fréquence qui va permettre d'augmenter l'excitabilité corticale si c'est l'effet qu'on recherche et une stimulation à basse fréquence de diminuer plutôt cette excitabilité corticale si c'est l'effet recherché. Donc on va pouvoir adapter la fréquence de la stimulation à l'effet recherché pour le patient. Donc comme je vous disais, ces techniques, c'est vrai, technologiquement, on se dit quand même c'est très récent, sauf que euh, son utilisation du, du, du champ magnétique à visée euh, médicale date quand même de 1896 avec Arsonval donc là aussi, euh, qui, qui était français, qui avait développé en fait l'utilisation de la stimulation magnétique à viser euh, de recherche de neurosciences chez l'homme, avec soit euh, des euh, cages où on pouvait placer le corps entier et on induisait un champ magnétique à ce moment-là, ou la possibilité de pouvoir utiliser ce champ magnétique sur des zones un peu plus ciblées au niveau du cerveau, et de voir en fait si, si on utilise ce champ magnétique, quel effet on allait induire chez la personne. Et donc l'utilisation de ce champ magnétique s'est continuée à développer avec le temps, avec la possibilité de la mise en place d'appareils beaucoup plus sophistiqués et plus simples, qui étaient capables d'envoyer des pulses euh, d'une manière plus euh, spécifique, et surtout des bobines beaucoup plus petites, donc pouvoir cibler des zones bien spécifiques du cerveau. Donc cette technique-là, initialement, elle a été utilisée dans la recherche en neurosciences fondamentales et pas du tout euh, dans la thérapeutique. Et l'objectif de la technique, c'était d'établir euh, une interférence causale entre le cerveau et le comportement, c'est-à-dire si je stimule cette zone du cerveau, qu'est-ce que j'obtiens en termes de comportement. Et donc, on, on, par exemple, si on déplace place notre bobine au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle le cortex moteur, on va induire un mouvement moteur, soit au niveau du membre supérieur, soit du membre inférieur. Et donc, ça permettait, en gros, de cartographier le cerveau pour savoir quelle zone, cette zone, elle correspond à quelle partie. Du corps. C'est comme ça que ça a été utilisé initialement, parce que ça permettait de faire comme des lésions virtuelles au niveau du cerveau qui étaient transitoires. Et donc une fois que la stimulation est partie, cette lésion virtuelle disparaissait. Et ça permettait aussi de voir quelle zone du cerveau était connectée avec une autre, une autre zone. Donc L'intérêt de, de la TMS, c'était vraiment un intérêt de recherche en neurosciences fondamentales. Sauf qu'à ce moment-là, en faisant ces recherches-là euh, en neurosciences, bah, ils se sont rendus compte quand même que ça modulait un peu l'humeur le, 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 des, des personnes qui s'y prêtaient à ces expérimentations-là, avec parfois chez certains une augmentation euh, du sentiment de tristesse et d'autres une augmentation du sentiment de joie. Donc ils se sont dit, bah, en fait, cette stimulation-là, elle avait peut-être un effet qui pourrait être intéressant pour les personnes qui souffrent de dépression. Mais si on veut avoir un effet qui perdure dans le temps, donc un effet rémanent, on a tout intérêt à... Répéter les stimulations parce qu'une seule stimulation n'aura pas un effet qui perdure dans le temps. Et donc, cette, cette découverte un peu empirique à ce moment-là, associée avec les avancées qu'on avait eues en imagerie, notamment en imagerie fonctionnelle, a poussé l'idée de pouvoir mettre en place des appareils capables de procurer des stimulations répétitives d'où l'apparition de RTMS, de stimulation magnétique transcrânienne répétitive avec plusieurs séances en répétition. Et donc la première étude qui, qui a été menée pour voir l'effet de ces techniques là sur la dépression date des années 1995 où il y a eu une grande étude de grande envergure avec 350 patients qui étaient inclus dans cette étude là qui a montré en fait que l'utilisation de cette RTMS chez les patients qui souffraient de dépression avait un effet thérapeutique. Et donc à côté de cet effet d'utilisation en neurosciences, on a vu l'apparition de l'utilisation de cette technique de plus en plus en recherche clinique pour voir l'effet sur les pathologies. Psychiatrique dans un premier temps, notamment la dépression, puisque ça a été utilisé initialement pour cette pathologie-là, mais aussi dans d'autres euh, pathologies comme la schizophrénie, l'état de stress post-traumatique, euh, les troubles de l'addiction, le trouble obsessionnel compulsif, mais aussi dans d'autres domaines que la psychiatrie, notamment dans la douleur chronique, euh, dans les pathologies neurologiques, la maladie de Parkinson, les troubles du mouvement et plein d'autres indications qui se développent de plus en plus euh, avec les années. La troisième technique euh, qu'on va aborder ce soir, c'est la TDCS. C'est un peu la, la dernière qui est arrivée sur, euh, au niveau de, de, de l'utilisation clinique. Là aussi, on est sur une technique non invasive. Hein. On est dans le même principe que la RTMS. On ne va pas avoir, euh, avoir la nécessité d'endormir le patient, pas besoin d'anesthésie. Donc, on aura toujours un patient réveillé euh, qui, est, qui est assis sur un fauteuil. Cette technique-là, on va avoir une modification de l'excitabilité corticale avec un faible courant électrique, donc vraiment un courant électrique de très faible intensité entre 0,5 et 2 milliampères, qui va être délivré grâce à une anode et une cathode. Et ces cathodes et cette anode, on va les placer sur des zones bien spécifiques au niveau du cerveau. Et on va avoir un courant qui va passer de la cathode vers l'anode. Donc l'anode, elle va... Augmenter l'excitabilité corticale, sous la node, c'est ce qu'on va avoir comme effet, et sous la cathode, une diminution de l'excitabilité corticale. Donc, en fonction de notre euh, la, le besoin d'augmenter ou de diminuer l'excitabilité, on va placer la cathode ou la node sur des zones différentes au niveau du cerveau. Et ce courant va traverser euh, le cerveau et pouvoir stimuler plusieurs zones. Alors, là aussi, euh, l'histoire de la TDCS n'est pas non plus si récente que ça. Puisque on trouve quand même les premières machines qui ont été commercialisées dans les années entre les années 1870 et 1920, où c'était en fait une période où l'électrothérapie avait été en vogue, c était un peu la, la thérapie à la mode aux États-Unis, où à ce moment-là on commercialisait plein de petits appareils qui étaient vendus au grand public et qui étaient utilisés à domicile, soit pour soulager les migraines, soit pour s'endormir plus vite, euh, soit pour être moins fatigué. Donc c'était un peu la thérapie euh, euh, hyper, hyper à la mode à ce moment-là, avec, avec beaucoup de commercialisation de machines, des machines qui ressemblent quand même grandement aux machines qu'on utilise aujourd'hui, euh, qui, qui sont censées être quand même à la pointe de la technologie moderne. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, ça a été beaucoup utilisé jusqu'aux années 1920, ça a été abandonné après dans les années 60, et dans les années 2000, grâce à deux chercheurs qui sont réintéressés à cette technique-là, ils l'ont remis au goût du jour en disant, bah, quand même, elle a un intérêt assez, assez intéressant sur le plan thérapeutique, pourquoi ne pas la réutiliser. Et depuis, il y a eu de plus en plus de recherches cliniques de son utilisation en psychiatrie et dans d'autres pathologies. Et donc, dans cette technique-là, on va avoir un effet à court terme qui est la modification au niveau du potentiel membranaire au niveau neuronal. Donc, on va induire une modulation au niveau des neurones. Et quand on va répéter les séances, comme la RTMS et comme les ECT, on va avoir un effet à plus long terme, avec une modulation qui va permettre cet effet thérapeutique escompté dans la suite. Donc quand on prend ces deux techniques-là, on a beaucoup de points communs, mais aussi des différences qui vont nous faire parfois choisir cette technique ou l'autre chez tel patient ou tel patient. Au niveau des points communs, ces deux techniques sont utilisées pour la recherche en neurosciences. Les deux ont à la fois une application de recherche fondamentale, mais aussi... Euh, un usage en clinique, en thérapeutique, pour euh, soigner, soigner les patients. Les deux techniques sont non invasives. Ça ne nécessite pas de chirurgie. Ça ne nécessite pas d'anesthésie. Elles ont très peu d'effets secondaires. Hein. C'est des techniques qui sont très bien tolérées. Euh, le principal effet secondaire qu'on va avoir dans l'une et l'autre, c'est souvent des, un mal de tête qui va être à l'issue des séances, mais qui est bien soulagé par le doliprane et qui n'est pas très très important. ces techniques qui ont très peu de contre-indications. Finalement, on peut les utiliser assez facilement. Et c'est l'autre point commun des deux techniques, c'est le besoin de faire plusieurs séances pour avoir un effet thérapeutique. La RTMS, qu'est-ce qui va la caractériser cette technique, elle va être un peu, plus, euh, euh, un, un peu plus difficile à mettre en place parce que ça nécessite quand même une machine assez imposante, ça nécessite quand même euh, une technicité dans l'utilisation et le placement de la bobine. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut la personnaliser. Alors on peut la personnaliser comment euh, Pour chaque patient, on va adapter l'intensité de la stimulation à euh, des paramètres biologiques propres pour chaque individu. Donc, on va euh, tous ne pas avoir forcément la même intensité de stimulation. Cette intensité, elle va être personnalisée. L'autre moyen de personnaliser la technique, c'est de pouvoir localiser la zone qu'on souhaite stimuler en s'appuyant sur l'IRM du patient qui serait réalisé au préalable. Comme on a tous en fait une anatomie complètement différente, la zone qu'on souhaite stimuler ne va pas être localisée exactement au même endroit chez un individu ou chez un autre. Donc pour pouvoir être le plus exact possible, on va réaliser une IRM au préalable pour localiser euh, notre bobine le plus euh, juste possible. C'est une technique très focale. Hein. On va vraiment vouloir stimuler une zone et une toute petite zone et on va placer notre bobine sur cette zone-là. Donc on est vraiment dans la technique de précision. Et dans cette technique-là, l'avantage, c'est qu'on peut modifier énormément les paramètres. Je vous avais parlé de la fréquence tout à l'heure. On peut faire une haute fréquence, une basse fréquence. On peut augmenter le nombre de pulses, on peut le réduire. On peut augmenter le temps de stimulation, on peut le réduire. On a plein de paramètres sur lesquels on peut utiliser et on peut même synchroniser les stimulations par rapport à l'activité électrique du cerveau du patient et pouvoir faire ce qu'on appelle les stimulations synchronisées. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités d'ajustement de cette technique-là pour arriver à un effet thérapeutique le mieux, le, le mieux adapté pour le patient. La TDCS, c'est une technique qui va être beaucoup moins focale. On va avoir deux grosses électrodes qu'on va placer dans un endroit ou un autre. Euh, on va pouvoir moduler moins de paramètres de stimulation parce qu'on va pas pouvoir changer la fréquence euh, et le nombre de pulses ou autre. Par contre, dans la TDCS, on a des tout petits appareils. Et donc ces petits appareils sont utilisables à la maison comme ils ont fait dans les années 1800. Euh, finalement, c'était comme ça qu'ils ont démocratisé ces techniques-là. Et on va y arriver aussi euh, actuellement puisqu'on peut utiliser ces techniques à la maison et donc pas avoir besoin d'un arsenal assez, assez imposant. On peut coupler aussi cette technique à l'électroencéphalographie du patient et donc pouvoir stimuler en même temps que le rythme cérébral et donc c'est une technique qui est économiquement intéressante puisqu'elle est très peu coûteuse. Donc l'application de ces deux techniques, comme je vous disais, c'est dans la recherche en neurosciences, dans plusieurs pathologies psychiatriques et aussi dans d'autres indications. Notamment, euh, plusieurs études montrent leur intérêt en post-AVC pour la récupération, en douleur chronique, dans la maladie de Parkinson. Mais l'indication phare qui a été la plus euh, validée et où il y a eu le plus de recherches dans l'utilisation de ces techniques, c'est dans la dépression. Donc, depuis les années 90, il y a eu plusieurs études qui ont montré l'efficacité de la RTMS et de la TDCS dans la dépression, euh, avec un nombre de patients dans les études qui est quand même assez important. Dans ces études-là, du fait des, 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 des concepts... Euh, de recherche clinique, on ne pouvait pas les proposer chez des patients qui n'ont pas bénéficié des traitements qui étaient validés jusque-là. Donc, on proposait les techniques aux patients qui avaient déjà essayé au moins deux traitements et que ces traitements ne fonctionnaient pas. Et après, on allait sur ces techniques-là. Donc, plutôt chez des patients qui sont qu'on appelle résistants, c'est-à-dire qui ont résisté à l'utilisation des traitements qui sont validés dans l'indication. Et selon les études qui ont été publiées jusqu'à aujourd'hui, on retrouve quand même un taux de réponse à peu près de 40 à 50 c'est-à-dire une diminution d'à peu près 50 des symptômes chez 40 à 50 des patients, et un taux de rémission, c'est-à-dire une, une disparition des symptômes chez à peu près 25 à 30 des patients, ce qui est quand même assez intéressant quand on s'intéresse plus particulièrement à des personnes qui ont résisté aux traitements qui ont été utilisés auparavant. Et Donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est une technique qui est assez utilisée, on a quand même pas mal de recommandations de bonnes pratiques, C'est une technique qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, les deux techniques. Il y a eu des essais de remboursement, de demandes de remboursement qui ont été faites sur les dernières années mais la haute autorité de santé a refusé le remboursement. Et donc, il euh, n'y a pas de recommandation euh, comme de, 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 de la HAS, comme c'est pas remboursé. Donc, il n'y a pas de recommandation comme pour les électroconvulsivothérapies. Mais on a quand même des recommandations de bonnes pratiques euh, d'experts qui nous guident dans l'utilisation de ces techniques-là euh, au quotidien pour la dépression. Euh, avec où, où localiser la bobine, quelle intensité de stimulation utiliser, combien de séances il faut faire. Donc, c'est quand même encadré, même si ce n'est pas aussi encadré qu'on le souhaiterait euh, avec les ECT et euh, les directives de l'HAS. Euh, donc, dans la dépression, c'est une technique, comme je vous disais, qui, qui est validée, mais non remboursée. Dans les autres pathologies psychiatriques, le niveau de preuve il est quand même peu élevé. On, si on parle de la schizophrénie, si on parle de l'addiction, de l'état de stress post-traumatique, euh, euh, du trouble obsessionnel compulsif ou autre, on a un niveau de preuve qui reste quand même assez bas et qui ne permet pas de valider son utilisation en usage clinique courant. C'est utilisé surtout dans le cadre de la recherche clinique. Donc il n'y a pas de recommandation d'experts de, 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 et ça se développe dans le cadre de la recherche et pas dans le cadre d'un usage euh, courant. Donc, euh, comme je vous disais au tout début, moi, je, avec le docteur Lévy, on travaille au Centre Hospitalier Laboury au sein de l'unité de recherche clinique. On a la chance, en fait, dans, dans, dans notre quotidien, d'avoir euh, plusieurs types de, de techniques de neurostimulation stimulation à notre disposition, à disposition des patients, pour pouvoir en fait développer leur utilisation dans la recherche euh, clinique au quotidien. Donc, plusieurs. Types de, 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 de RTMS, d'appareils de RTMS ou de bobines de RTMS pour arriver à être le plus précis possible dans ce qu'on qu souhaite. Et plusieurs types d'appareils de TDCS aussi pour arriver à mieux euh, synchroniser par exemple la stimulation par rapport à l'activité électrique du cerveau ou d'avoir des appareils plus portatifs, plus petits qui peuvent utiliser, être utilisés au domicile du patient. Mais aussi, on développe énormément la recherche euh, autour de ces techniques de neurostimulation, avec euh, notamment dans la salle. <laughs> Julien qui a une thèse qui travaille en thèse sur le développement d'utilisation de la TDCS et de pouvoir comprendre en fait pourquoi d'un patient à l'autre on n'arrive pas à avoir le même résultat clinique puisqu'on constate quand même, comme vous l'avez voyez ici, la diffusion du champ électrique qui va être complètement différente d'un patient à l'autre et qui pourrait expliquer en quelque sorte pourquoi la réponse à ces traitements-là est différente. Au niveau des patients. Donc, on essaye de comprendre pourquoi la réponse n'est pas la même et pouvoir peut-être par la suite euh, anticiper cette, ce changement de réponse et de pouvoir développer la possibilité de mieux personnaliser ces techniques-là chez les patients. Donc, en conclusion, euh, l'utilisation des techniques de neurostimulation, c'est euh, en évolution assez importante depuis les dernières années. Ça, ça, ça augmente de plus en plus leur utilisation au quotidien et les indications sont de plus en plus nombreuses. Au départ, c'était cantonné au champ de la psychiatrie. Aujourd'hui, ça s'ouvre à toutes les pathologies qui peuvent toucher le cerveau. Euh, on était dans des méthodes qui étaient assez rudimentaires des, 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 et on arrive à des approches de plus en plus ciblées, de plus en plus sophistiquées. L'évolution de leur utilisation a accompagné forcément la, la, le développement de la neuroscience et de la compréhension dans la neuroscience, mais aussi le développement technologique auquel on assiste depuis quelques années. Et ça continue à être affiné, à être adapté grâce au progrès médical et au progrès technologique. Cependant, faut quand même qu'on reste assez humble. C'est des solutions qui ne marche pas chez tout le monde. Ces techniques de neurostimulation, même si elles vont soulager certains patients, elles vont quand même aider certains patients, elles ne vont pas soigner tout le monde ou guérir tout le monde. Et elles doivent être adaptées à chaque patient en fonction de la pathologie et des symptômes qu'il présente. Donc c'est des techniques qui sont innovantes, qui transforment aussi notre façon d'aborder le traitement et les troubles psychiatriques. Donc ça amène aussi ces, ces, ces techniques-là. Euh, on, on parlait de la stigmatisation. Donc ça permet aussi de déstigmatiser les pathologies, de dire qu'on peut s'en sortir et on peut avoir des solutions. Et la recherche va amener d'autres solutions dans les années à venir, parce que c'est ça aussi le message qui apporte ces techniques-là. C'est que comme leur, leur utilisation développe de plus en plus, donc aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, peut-être dans deux ans ou dans trois ans, ça fonctionnera, puisqu'on va mieux les comprendre et mieux les utiliser. C'est des nouvelles solutions pour aussi améliorer la qualité de vie du patient. On parlait des techniques qui peuvent être utilisées à domicile. Effectivement, la possibilité de faire les séances à la maison, chez soi, sans forcément se déplacer, c'est aussi un point positif dans la qualité de vie. Et elles sont en évolution permanente. Cependant, il y a quand même une prudence à avoir, puisque comme toute nouvelle technologie, il y a aussi des bons usages, mais il y a aussi des mésusages. Et on voit quand même pas mal de mésusages apparaître euh, au quotidien. Et notre rôle aussi, c'est de, de maintenir le, les normes éthiques autour de ces techniques-là pour permettre euh, leur meilleure utilisation en clinique et que pour que ça, le mésusage n'amène pas un, un désusage sur le plan médical. Pourquoi je vous parle de ça euh, La TDCS, par exemple, c'est une technique qui a été utilisée dans le, 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 le dopage un peu intellectuel, entre guillemets, parce que c'est une technique qui va augmenter les performances cognitives. Et donc, elle est utilisée parfois pour essayer d'être plus performant, notamment avant un examen, avant un concours. Il y a eu un article il y a quelques années sur l'utilisation de la TDCS pour le Tour de France, pour essayer de booster cognitivement les coureurs pour qu'ils soient plus performants. Et voilà, je, je, on revient sur l'actualité. Vous avez entendu parler Elon Musk qui développe quand même des systèmes de neurostimulation. Alors, il est dans quelque chose d'un peu plus invasif, avec des électrodes qu'il veut mettre dans la tête pour augmenter la performance et nous rendre beaucoup plus puissants que voudrait l'être. Voilà, on arrive un peu à cette dérive de l'utilisation de ces techniques-là, avec des utilisations qui sortent du champ médical. Euh, et on espère en fait que cette utilisation hors champ ne va pas en, f... en bâtir sur l'utilisation dans, euh, dans la recherche clinique et pour la prise en charge des patients au quotidien. Merci. Et puis ben, on est disponible pour les questions. Sur quelque chose qui était quand même particulièrement complexe et on a montré aussi les espérances dans l'avenir. Je pense que vous allez peut-être pouvoir nous dire un peu l'évolution et si l'intelligence artificielle va nous permettre, avec toutes les data, de mieux comprendre les connexions. Si le travail que peut faire Jean-Gerthe sur l'autocompassion et où on découvre que les connexions sont différentes chez le patient sain et le patient pathologique ou schizophrène. Je pense qu'il y a des perspectives énormes, mais je pense que vous allez pouvoir peut-être nous en parler. Puis on va remettre le micro dans la salle si les gens ont des questions. Euh, Est-ce que, du coup, pour les. Des, euh, une contre-indication pour par exemple les personnes qui déjà de base seraient euh, justement avec des tendances euh, Donc euh, bon, il n'y a quasiment aucune contre-indication aux, aux ECT, hein, si ce n'est d'avoir une hypertension intracrânienne. Donc les personnes qui sont par exemple épileptiques, ce n'est pas hein, une contre-indication aux ECT. Sachant que finalement les ECT. Sont anticonvulsivantes. Ça peut paraître un peu contradictoire. On va provoquer une crise convulsive, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que la crise convulsive s'arrête naturellement. Et donc là, c'est l'effet anticonvulsif, antiépileptique, qui est recherché, parce que c'est aussi un effet qui est antidépresseur. Donc la personne qui est sous traitement et qui est épileptique, en adaptant les critères de stimulation électrique, ce n'est pas une contre-indication. Alors bien évidemment, il y a des tas d'examens complémentaires qui sont faits, dont l'électroencéphalogramme, le scanner cérébral. Enfin, c'est une thérapeutique qui nécessite un bilan et bien sûr la consultation d'anesthésie hein, qui est obligatoire pour toutes les anesthésies. Donc, euh, mais ce n'est pas une autre indication Alors, les, les effets secondaires. Euh, de l'ECT sont essentiellement alors aujourd'hui c'est ce qui reste le plus des effets à type de troubles de mémoire hein, voilà des troubles qui peuvent être transitoires qui peuvent être un petit peu plus prolongés hein, ça peut être la mémoire récente mais ça peut aussi être la mémoire ancienne hein, dans des troubles mémoire rétrograde ça, c'est comme surveiller hein, par le fait qu'on fait une évaluation euh, de l'état de la mémoire de la personne et de son état neurocognitif, si, si bien sûr la personne est en état de répondre aux questions, hein, euh, avant les séances, en cours de séance et après les séances. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de recherches encore dans ce domaine-là. Et on essaye par le type d'appareil et par la recherche du seuil, puisque comme disait ma collègue, tous les cerveaux sont différents. Et ça, ce qui fait que aucun cerveau ne va réagir au même seuil électrique. Donc, on a des des, des progressions, hein, et on essaye de donner le minimum du minimum. Plus le seuil électrique est bas, moins vous aurez d'effets secondaires. Voilà. Mais en effet, euh, l'effet secondaire numéro un, c'est celui-là, en général régressif à terme, hein, mais on prévient les gens, hein, et, et c'est sûr que c'est plus problématique quand c'est des effets. Euh, sur la mémoire, on va dire, ancienne, hein, puisque bon, ça peut être un, un, peu, un peu problématique. Sachant qu'il faut resituer ça dans un contexte de personnes résistantes, qui de toute façon allaient tellement mal que déjà même au niveau de la mémoire, euh, vu leur état, euh, malheureusement, elles avaient beaucoup de souffrance déjà. D'autres questions, j'avance. Bonsoir et merci déjà pour votre intervention. Et moi, ma question, c'était par rapport... Euh, vous avez évoqué en introduction qu'il y avait aussi des possibilités d'intervention sur les troubles neurodéveloppementaux. Et du coup, euh, je me demandais si vous pouviez m'en dire un peu plus. Oui, on sur dans les troubles neurodéveloppementaux. C'est sur l'utilisation dans les troubles du, du neurodéveloppement si C'était ça, la question Merci. Effectivement, c'est une piste de, de, de recherche, notamment pour la, pour la TDCS et aussi la RTMS. Euh, mais ça reste pareil dans, la, dans, la, dans le contexte de la recherche clinique, puisqu'il n'y a pas de validation de leur utilisation. Euh, il y a des études qui montrent que ça, ça peut, comme c'est notamment la TDCS, ça améliore les fonctions cognitives, euh, ça améliore les, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc la capacité d'une de, de meilleure concentration, une meilleure planification. Et dans les troubles du neurodéveloppement, c'est ce qu'on va rencontrer. Donc ces techniques-là, peuvent améliorer ses performances. Mais ça reste bien sûr du domaine de la recherche et pas du tout de développement clinique actuel. Merci. Euh, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Vous avez parlé de la dépression donc pour les trois techniques qu'elle pouvait soigner la dépression et qu'est-ce qui vous fait choisir une technique plutôt qu'une autre c'est la question de, de l'organisation. Alors, le, le choix d'une technique par rapport à une autre va être déjà en fonction de la gravité des symptômes. Alors, on, le, on, a, on a des indicateurs, comme je vous disais, il y a quand même des recommandations et ces, ces recommandations nous guident aussi dans le choix. Globalement, quand on est face à une dépression sévère, ce qu'on appelle les dépressions mélancoliques, euh, là, on va aller souvent directement vers, vers l'électroconvulsivothérapie puisque c'est ce qui va fonctionner le plus vite euh, et le plus rapidement. Euh, les euh, RTMS et TDCS, on va les privilégier pour les dépressions résistantes, par exemple échec de deux lignes de traitement, euh, mais dans le cadre d'une dépression sévère, mais pas forcément mélancolique ou avec des idées délirantes euh, ou très, très importantes. Donc le choix va se faire par rapport à la sévérité de la pathologie et aussi par rapport aux préférences des patients et aussi par rapport à ce qu'on a sur le plan local, puisque ces techniques-là, nous, on a la chance dans, dans, dans notre établissement d'avoir quand même un, beaucoup euh, de, de, de possibilités pour les patients. Donc c'est vrai qu'on va essayer une technique, une deuxième, une troisième, une quatrième. Dans d'autres centres, ils n'ont pas du tout cette possibilité-là, ils vont mettre en place ce qu'ils ont sur place. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Euh, sur la RTMS et sur les paramètres que vous utilisez. Donc, pardon pour le TDCS ou euh, ECT, vous allez plutôt jouer au niveau des stimulations, de l'intensité de stimulation. Mais RTMS, vous allez jouer sur le patron de stimulation. Donc, vous avez, je crois que vous avez dit que vous alliez, en fonction du patient, changer le patron de stimulation, peut-être stimuler différemment, une intensité différente. Et comme ce sont des stimulations chroniques, comment est-ce que vous arrivez à voir euh, Est-ce que c'est le, le temps que ça prend en fonction du patient pour voir des effets, en fait C'est un oh. peu une erreur, j'imagine Ou, euh, ou est-ce que vous avez quand même des... Euh, c'est une question. Hein, je, ou est-ce que vous avez des données qui permettent de, de, de choisir oh. ces paramètres de stimulation Il n'y a, y a pas de... Donc, de, de y a, y a deux, je, je comprends deux questions. Dans la question, c'est combien de séances il faut faire pour avoir un effet ça? Oui, enfin, j'imagine que ça dépend du patient, en fait. Alors, on, a, on, a quand même, enfin, on se base sur des recommandations. Les recommandations viennent des études cliniques qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Globalement, dans la RTMS pour la dépression, on sait qu'il faut au minimum 20 séances. Okay. Euh, si moins de 20 séances, c'est souvent pas suffisant. Euh, si au bout de 20 séances, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une amélioration qui démarre, euh, on poursuit. Si le patient va mieux, on arrête et puis on voit combien de temps l'effet va durer. C'est vrai qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour nous dire bah euh, faut faire 20 séances, puis euh, 5 mois, 6 mois après, il faut en refaire 20 systématiquement, il faut attendre. Donc là, on s'adapte en fonction des patients. Il y a des patients qui souhaitent refaire des cures, on appelle les cures, donc c'est les 20 séances, euh, tous les 5 mois pour maintenir l'effet. D'autres bah, qui vont faire une cure, qui vont attendre, et à un moment, ils se sentent moins bien, ils vont refaire une autre cure. Et d'autres qui préfèrent garder des séances entre euh, d'une manière régulière pour maintenir l'effet, par peur que l'effet s'estompe. Donc là, c'est là où il y a un peu. On sait qu'il faut faire 20 séances, ça on le sait, on a, on a assez de données là-dessus. Par contre, sur après comment articuler, bah, on va s'adapter aux préférences du patient. Et au niveau des paramètres, le choix des paramètres, en fait, il s'est se, basé sur les études d'imagerie, notamment d'imagerie fonctionnelle. On, on a vu que certaines zones sont hyperactivées, d'autres zones sont hypoactivées. Donc, on va faire de la haute fréquence en fonction de cela, ou de la basse fréquence pour activer ou désactiver les zones. Donc, ça se base, ça, ça se base dessus. Mais on n'adapte pas. Euh, donc, aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de faire une IRM fonctionnelle pour chaque patient et de dire, il faut aller ici, ici pour ce patient. Et là, pour l'autre patient, ça sera la piste d'avenir, sûrement, mais pas encore aujourd'hui en pratique clinique courante, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Une autre question C'est vrai que voir. pour les OCT, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que vous avez la cure hein, 12, 14, 16 séances, on peut aller jusqu'à 20. Bon, ensuite, il euh, y a une, une dégressivité, c'est-à-dire qu'on diminue le le nombre de séances par semaine et il y a des personnes qui restent avec, euh, comme disait le, ma collègue, avec euh, qui viennent tous les quinze jours, tous les mois, tous les, faire une séance et qui repartent, etc. Donc là, c'est pareil, c'est selon l'état clinique et selon aussi le, le, le patient, hein, ce, la demande du patient. Alors, les patients sous ECT, moi, je pense à, une, à quelques patients que j'ai en tête, là, dont certains font des ECT depuis plus de plus dix de ans. Hein, donc... Euh, et qui viennent bon, tous, les, tous les deux mois, tous les dix tous les jours, tous les quinze jours, enfin, ça dépend des cas. Et ces personnes-là, bon, ayant vécu des rechutes, parce hein, qu'on a essayé de les arrêter, elles ne sont pas du tout partantes pour arrêter, parce qu'elles bon, ont une vie, entre guillemets, à peu près normale, et elles ont vraiment très peur de la, de la rechute. Hein. Mais c'est vraiment individualisé, et ça, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à pouvoir proposer une médecine personnalisée. Hein. Et ça, c'est vraiment ce qu'on qu aimerait pouvoir avoir, euh, un objectif pour tous les patients. Par rapport à la haute autorité, vous nous avez dit qu'ils refusaient les remboursements. Est-ce qu'il y a une raison, plusieurs raisons, et quel est le coût pour le patient Alors les raisons du refus de la haute autorité de santé, à partir de la haute autorité de santé, ils estiment euh, pour le moment qu'il n'y a pas assez d'études pour valider euh, l'efficacité de ces techniques. Voilà, ça c'est l'argument de la haute autorité de santé. Euh, pour le en france en tout cas parce que dans plusieurs pays c'est validé ils ont la, 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 les autorisations mais en france pour le moment c'est pas le cas alors le coût pour le patient euh, c'est pas tarifé donc il n'y a pas de coût. <laughs> C est, c est, voilà. Nous, on a la, la, la chance dans un établissement public d'avoir la, la possibilité d'utiliser nos, nos techniques. D'ailleurs, je remercie notre directeur qui est ici de nous pouvoir nous donner cette, cette possibilité-là. Euh, après, il y a des établissements privés qui ont ces techniques-là, qui les tarifent. Je ne sais pas dans quel contexte, mais euh, avec des accords. Euh, mais euh, voilà. C'est une bonne question. C'est une, une question économique. Okay. Et effectivement, l'État, puisque c'est quand même lui qui va distribuer l'argent, euh, trouve souvent très facile de traîner beaucoup pour valider une technique ou pour valider un traitement ou pour valider un IRM, un examen complémentaire, parce que pendant ce temps-là, euh, ben, il dépense pas d'argent. Donc ça c'est la première chose, il faut quand même en être conscient et parfois il y a des praticiens pendant des années qui attendent ou qui utilisent même du matériel pour lequel il n'y a pas de, de nomenclature, il hein, faut le savoir. Et puis quand il y a une nomenclature aussi, l'état est très très bon parce que tous les ans... Quand il y a une intervention qui marche bien, eh bien il diminue le, le montant. Donc c'est aussi ça. Et puis là, il faut savoir que le, notre ministre a demandé à ce qu'il y ait des économies sur euh, les affections longue durée. Et donc vous savez très bien que tous les patients dont on parle, ils sont en affection longue durée. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Quelle est la marge de manœuvre des médecins qui vous parlent de pathologies excessivement graves, de gens qui sont en souffrance parfois Inconcevable euh, face à ces régressions possibles et ces diminutions de la... Donc voilà, c'est une bonne question et on ne peut pas être non plus que dans la médecine parce que la médecine c'est aussi de l'argent et c'est aussi des praticiens qui ont besoin d'avoir une lisibilité. Ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, cette technique à Poitiers pour les patients qui en ont besoin, elle est disponible peu importe leur portefeuille oui. en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Après il faut que ça les indications soient bonnes, ce soit validé oui, par voilà, un médecin euh, C'est comme disait le, le monsieur c'est que c'est des infections à longue durée qui ont souvent et vous le savez des impacts sur la vie personnelle et professionnelle. Donc je pense que c'est un soutien énorme pour les patients qui font qui sont dans les critères. Merci en tout cas pour votre conférence. Bah, c'est sûr que l'idée c'est que l'accès aux soins Puissent être égalitaires à peu près partout sur le territoire, ce qui n'est pas le cas encore, mais bon, c'est comme ce qu'on peut essayer d'aspirer en France. Mais sur le territoire de la Vienne, on a quand même, et ça on le redit, cette, cette opportunité de pouvoir traiter les patients avec toute forme de, de traitement. Euh, voilà, donc c'est quand même très important et avec la recherche clinique qui est quand même absolument indispensable, sans laquelle il ne pourrait absolument pas y avoir de développement de ces techniques, puisque euh, l'idée, c'est bien sûr d'avancer et de continuer à pouvoir se perfectionner. Sécuriser aussi l'utilisation, c'est ça aussi qu'amène la recherche clinique, c'est que ça sécurise l'utilisation de ces techniques-là, notamment dans les indications. Où on n'a pas encore des recommandations de bonne pratique et la recherche est là pour encadrer, sécuriser. Euh, on a des, 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 une réglementation très stricte dans, dans, quand on veut entreprendre un protocole de recherche clinique, donc euh, ça permet aussi de, 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 de protéger l'utilisation pour pas arriver aux dérives. Et d'utilisation de mes usages, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question Pardon, dehors. <laughs> Hop, je fais le tour par là. Vous avez dit tout à l'heure que sur les addictions et sur les situations post-traumatiques, le ces techniques avaient moins d'emprise. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de recul ou moins de recherche ou moins de situations étudiées Ou est-ce que c'est une réalité par rapport aux situations que vous décrivez psychiatriques c'est vrai que l'utilisation initiale était dans la dépression. C'est là où il y a eu un peu beaucoup d'engouement de, 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 pour ces techniques-là au début, parce que comme ça fonctionnait dans la dépression, il y a eu plein d'études qui ont suivi pour valider. Les autres indications, c'est beaucoup plus récent. Dans les addictions, dans la dépression, les premières études datent des années 1995, la première étude. Dans les addictions, la première étude, elle va dater des années 2005-2006. Donc c'est vrai que c'est des études beaucoup plus récentes. Donc, beaucoup moins de recul, beaucoup moins de puissance statistique qui ne nous amène pas aujourd'hui à donner des recommandations claires et précises par rapport au, à, à, à ces indications, -là, que ce soit dans l'état de stress traumatique, dans les addictions ou dans toutes les autres indications. Donc là, où on a le niveau de preuve élevé, c'est dans la dépression, puisque c'est là où il y a le plus de recherches et le plus de patients qui ont pu être pris en charge, et donc des données statistiquement valables. Merci. Est-ce qu'il y a un développement plutôt exponentiel vers ces recherches oui sur les addictions. Oui, oui. Par dans, exemple. Dans les, oui, oui. Et on le voit un peu quand on va dans les moniteurs de recherche. Euh, ben voilà, il y a dix ans, il y avait peut-être une ou deux publications. Aujourd'hui, on est à 300, 400 publications. Et dans les années à venir, on va être à 700, 800, 900 publications. Donc oui, l'intérêt augmente de plus en plus. Après, comme je vous disais, l'idée aussi de la recherche, c'est de sécuriser l'emploi. Donc on essaye déjà de savoir est-ce qu'il est, est, est qu y a des contre-indications Comment pouvoir un peu l'utiliser de manière la plus sécure possible et c'est toujours accompagné avec le développement de la, des recherches en neurosciences. Donc c'est les recherches en neurosciences, une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne finalement quand il y a la pathologie, qui va amener un meilleur usage de ces techniques-là. Donc ça va aussi ensemble. Et plus le développement de neurosciences autour des addictions augmente, plus l'utilisation de ces techniques va être développée aussi. Merci. Et puis en plus, bon, ça vous l'avez tous compris. Il ne s'agit pas d'avoir une prise en charge avec un traitement unique. C'est-à-dire que les patients dont, dont on parle ont aussi d'autres prises en charge. Hein, ils ont des psychothérapies, ils ont comme des médicaments aussi. Donc voilà, c'est rare d'avoir uniquement une technique de neurostimulation comme traitement. Tu es d'accord hein, c'est des techniques qui ne remplacent pas aujourd'hui l'utilisation d'un médicament enfin, on va les mettre en complément d'un traitement médicamenteux ou en complément d'une psychothérapie mais elles sont encore leur usage seul n'est pas encore validé aujourd'hui peut-être qu'il le sera dans quelques années mais pour le moment c'est en complément avec un autre traitement Soit avec un traitement médicamenteux, mais aussi il y a beaucoup de recherches qui se développent sur l'utilisation de cette technique-là conjointement à un travail psychothérapeutique, que ça soit de la méditation, de la, de la thérapie cognitive ou comportementale ou autre. Enfin, le fait de, de faire un couplage entre cette technique et une psychothérapie est aussi intéressant. Et puis aussi quelque chose d'important, c'est tout ce qui concerne aussi la. Euh, les techniques de, de, de connaissance, enfin tout ce qui concerne la connaissance de la maladie aussi, euh, le fait que les, 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 les proches, les, les aidants soient aussi eux-mêmes euh, impliqués dans les soins, de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi le dire, hein, ça, ça fait partie aussi de l'optimisation de, de ces traitements, hein, de, que les gens ne restent pas euh, seuls comme ça. Euh, voilà. Aujourd'hui on implique, il y a beaucoup de programmes aussi pour les, pour les aidants, pour les familles, vraiment, euh, ça, ça, ça fait partie à part entière aujourd'hui de, de ce qui existe en psychiatrie. L'heure avance. Ah, une dernière voilà. question. <laughs> voilà, c'est bon, on n'est pas trop tard encore. Merci. Je suis très éloignée, euh, par chance, euh, de toutes ces techniques, mais à, à vous écouter, on a l'impression que vous êtes un petit peu encore dans l'empirisme. Est-ce que vous connaissez le mécanisme pourquoi? Une, une décharge, je, je reprends certainement un mot qui ne convient pas, mais une décharge électrique améliorerait une dépression. Ça paraît irrationnel. Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur la compréhension de mécanismes d'action de ces techniques-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que. Mais oui, il y a beaucoup, que ce soit pour l'électroconvulsivothérapie, les, les, la RTMS ou la TDCS, il y a beaucoup d'études pour mieux comprendre en fait comment ça fonctionne, euh, notamment les études d'imagerie, hein, je reviens dessus, les études en électroencéphalographie aussi, pour voir comment le, le, le cerveau se modifie finalement avant, après une stimulation. Euh, oui, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, c'est pas que de l'empirique, la, la compréhension est de plus en plus fine. Il y a encore beaucoup d'étapes puisque le cerveau est très complexe. Et si un jour on arrivera à comprendre le cerveau, je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être pas. Mais voilà, il y a quand même des études de plus en plus poussées pour comprendre comment ça fonctionne et comment améliorer leur utilisation. Merci. Voilà, on va peut-être conclure. Donc, merci encore à nos deux intervenantes pour leur présentation. Merci pour Voilà. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les deux rendez-vous prochains dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc, demain soir, ici à 20h30, d'une euh, conférence sur les cellules souches dans le traitement des pathologies rétiniennes. Et également, toujours euh, dans le cadre de la semaine du cerveau et avec le festival Voix Publique, à 18h30 à l'espace Ventesse France, vendredi, une conférence sur la surexposition aux écrans, notamment chez les enfants. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Et 19h30 le professeur Gilles, le professeur Jaafari sur l'autocompassion, et vous verrez qu'il y a des liens importants avec les, la pathologie neurale. Donc voilà. Merci encore de votre présence et à bientôt.